Yes. Où ça? Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis prêt à vous emmener maintenant. M'emmener? Mais où ça? Alors, monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux? Non. C'est seulement que votre accoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant? Moi? Mais je suis votre ami. Je m'appelle Manny Calavera et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage. Je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso. Vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le pays des morts. C'est logique. Êtes-vous prêt pour la grande traversée? Non! Quelle traversée? Le grand voyage de l'âme en 4 ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très, très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le pays des morts dans une voiture de course? Ou alors sur un paquebot de luxe? Ou, si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express? C'est notre TGV super luxe. Il conduit les âmes au 9e monde, le pays du repos éternel, en 4 minutes au lieu de 4 années. Ah! Mais c'est les exclus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. Oui. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour A priori, vous. Il a pas été mais très attendez, sympa. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Ah, elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Aïe. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie. Alors, dans ce cas, vous pouvez m'accompagner? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Oh, j'ai pas l'intention de moisir ici. Mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé, hey, Manny, patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler sitôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Oh. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégote-t-il ces types? Comme leurs dossiers sont libres, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer le reste de l'éternité à fourguer des cannes à des ploucs sans intérêt. Très sympa. Où sont les bons clients? Il me faut un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est passé. C'est passé dans une autre langue? Alors. Bon, est-ce que le jeu est ok? Est-ce que le jeu est ok sur le stream? Un échec commercial. Ah ouais? Pour de vrai? Parce que. Alors moi, je me rappelle de. Je me rappelle du test dans Gen 4, peut-être dans Génération 4 d'ailleurs à l'époque, qui est devenu Gen 4 après. Putain, Manny il fume. Manny clope trop. Hein. Comment ça marche par contre? Alors donc on peut. Il y a une cible. On peut lâcher. Alors c'est quoi? C'est dans ce casier que je range ma cape. Oh là là, ouf, oh l'interface. Flop total, malgré qu'il ait été acclamé par la critique. Bah ouais, parce que les tests étaient à l'époque étaient vraiment bons quoi. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où jadis battait mon cœur. C'est comme dans mon calendrier 3, on dirait pour l'interface. Ah bah vu que j'ai mis à peu près 12 heures. À arriver à me faire à l'interface de Monkey Island 4, ça va être chouette. C'est une directive pour mission spéciale. À tous les agents, signé
Dan Kopal, directeur général. Bon, les têtes de crâne! Croisez les phalanges, on a du pain sur la planche! On a une intoxication de masse sur les bras! Comme il y a trop de morts à sélectionner, les premiers arrivés seront les premiers servis! Ah. Remuez un peu vos carcasses! Ok. À vos ordres, patron. On va peut-être pouvoir récupérer... du mec qui a fait du bien dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut choper? Je vais quand même regarder, hop. Les options. Ah oui, j'avais baissé. Graphisme. Hop. Ça, on est bon. Ça, à peu près, on ne va pas être trop mal. Gamepad joystick. Ah, on peut jouer au gamepad. Mais bon. Lofter up and down. Left right, left shift. Examiner, utiliser, ramasser, c'est P. Inventaire, I. Changer d'objectif, c'est delete. Passer les répliques, on va être sur point. Le rendu, le commentaire. Commentaire, on va essayer de pas y toucher. Hein. Ok. Bon. Là, j'avais... Ah, c'est mon inventaire, ça, d'accord. Ah. Et si je fais... Ah, on peut passer sur le rendu d'origine. Ok, bon. Et je commence à comprendre. Qu'est-ce que... À tous les agents, signé... Dan Kopal, direct. Bon, ouais, ouais, on a une ouais. On a compris. À vos ordres, patron. Là, il y avait quelque chose. On pouvait regarder. Ah, les vieux dossiers, les anciens clients, le bon vieux temps. L'époque où on savait mourir et où il n'y avait pas de domino hurlés. Ah. Vérifie pour être sûr, je confirme. Des pieds de bonnes critiques, de multiples récompenses dans le jeu de l'année 98. Ça date de 98. C'est pas bien vendu chez beaucoup de gens considérés qu'il était à cause de la mort du genre. Ah mais le point and click est mort beaucoup de fois. Je ne prends pas ça. Ok, bah vas-y, fais ta mauvaise tête, hein, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai la liste rouge des mauvais payeurs dans un fichier spécial. Intransportable. Ok. Ah mais je peux... D'accord. Il y a action et... Voilà le dossier de Celso. Il ne méritait même pas la canne qu'on lui a filée. Très sympa. D'accord, mais je peux faire ça et utiliser. Je ne tiens pas à relire ces vieux dossiers. Ça me rendrait trop triste. Ok. Il n'y a rien là-dedans sauf ma cape. Je vais l'aérer un peu, je crois qu'elle en a besoin. Aère ? Il n'y a rien là-dedans sauf ma cape. Je vais l'aérer un peu, je crois qu'elle en a besoin. Désolé, hein, je pense que je vais faire des allers-retours. J'ai la liste rouge des mauvais payeurs dans un fichier spécial. On peut double-cliquer, oui. Ah. Je vais prendre ces cartes. Je sens que la journée va être longue. À ce point-là. Hop, vas-y, range. Je ne peux pas insérer cette carte là-dedans. Mais non, mais je veux pas que t'en sers le carte. Lancer de cartes, ce sera pour une autre fois. Suite à Grim Fandango, LucasArts publie Escape from Monkey Island, mais annule les suites de Sam & Max, Hit the Road et Full Throttle. Il justifie sa décision en expliquant qu'après une étude méticuleuse des réalités du marché, compte tenu de la situation économique, il préfère que ça soit... Ah, il considère que c'est pas le moment de publier un jeu d'aventure sur PC. Oui, c'est un honteux copier-coller Wikipédia. Mais c'est très bien comme honteux. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Le lancer de cartes, ce sera pour une autre fois. D'accord, ok. Je sors, je rentre. D'accord, ok. Je les ai déjà lus, ça sert à rien. Je les ai déjà lus, ça sert à rien. Le chef me file sans cesse de la doc pour me motiver. Ils ont acheté la ferme, vendent leur des vaches, plein de trucs comme ça.
Ok, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Cette grosse tête. Ce jeu ne sauvegarde pas automatiquement, mais sauvegarder dans le menu pause afin de ne pas perdre de progression. Ah ! C'est bien. C'est bien qu'ils le disent. Ok. Il est chelou, Gaillebrush, dans Monkey Island 4. Bah, il est mort en fait. Il a rejoint le Chuck et du coup, voilà, il est mort de décès. Non, non, j'expliquais. Monkey Island 4 est super compliqué à lancer. Et j'ai essayé de le lancer, ça a foiré. J'ai essayé de l'avoir dans une résolution plus grande, ça n'a pas marché. Donc pour le stream, c'était de la merde. Donc du coup. On va attendre. La porte de Domino est fermée. J'ai fait et ça. Il a peur que je lui vole un de ses dossiers. Et ça me donne une idée, ça. Ouais. Donc tu pourrais voler un truc. Et du coup. Comment. Ah oui, d'accord, on clique pour ça. Ah. Ah. Ok. Donc faut vraiment que je me pose pour. C'est une directive pour mission spéciale. Ce jeu de cartes est un peu usé sur les bords. Moi aussi, remarqué, mais ça peut être un atout. Un peu usé sur les bords. Et du coup, faut vraiment que je me pose pour arriver à le faire fonctionner correctement, sinon ça va être dégueulasse. Donc du coup... c'est Grim Fandango à la place. Pourquoi il me l'a pas pris ? J'ai bien envie de marquer ces cartes. Ok. La porte de Domino est fermée. Le lancer de cartes, ce sera pour une autre fois. Ok, ça ne marche pas. Étrange, certains y arrivent. Tu parles de quoi, Twinsen? Tu parles de lancer Monkey Island 4? Ah oui, non, mais je dis pas que ça marchera pas, mais il faut juste que je me pose. Là, je l'ai fait... je l'ai fait un peu à l'arrache. Et donc ça... Monsieur le Grand Magnifique, ne veut pas être dérangé aujourd'hui. Enfin, moi, sur mon PC, c'était foireux. Alors, a priori, voilà, tu peux lancer avec un autre truc. Quand t'as un double écran, ça pose problème. Enfin, bon. Voilà, il y a des configurations différentes, et donc c'est pour ça que des fois ça peut passer, et des fois, non. Alors, en fait, il y a un truc con, dans le remaster. C'est que là, on voit que le papier... Ah bah non, on peut pas le sélectionner. Ah bah tu vois, j'étais persuadé qu'on pouvait sélectionner. Bon bah... J'allais dire, il y a des trucs, en fait, on peut les sélectionner, ça se voit vraiment parce que le... C'est très différent, quoi. Finalement, le remaster, pas beaucoup plus de trucs, hein. C'est Eva, la secrétaire du patron. C'est Manny, le souffre-douleur du patron. Buenos dias. Manny, tu vas louper la grande intox. Une intoxication? Mais bah, si, l'intoxication au gazpacho. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Je fais circuler des notes, mais personne ne les lit. C'est où déjà cette intoxication? Demande à ton chauffeur de te rencarder, bon sang. Au fait, je suis censé être quelque part en ce moment. Dois-je encore t'expliquer en quoi consiste ton travail? Ah, bah oui. Oui. Le manuel Calavera que je connais récupère des clients dans le pays des vivants. Après leur mort? De préférence. Il les ramène ici et fait tout ce qu'il peut pour réussir à leur vendre la meilleure croisière possible. S'il vend assez de croisières de luxe, notre héros pourra alors quitter le pays des morts. En attendant, on est coincés ici tous les deux et on répète les mêmes choses. Jour après jour, pour l'éternité. Assez parlé de moi. C'est quoi ton travail au juste? C'est comme du babysitting, mais sans la télé. Ah oui, d'accord, carrément. Voilà, je peux partir avec elle. Pourquoi certains clients ont-ils droit à des forfaits plus luxueux? Leur vie a été droite. Qu'est-ce que c'est quoi une vie droite? Une vie meilleure que la nôtre.
Mais qu'as-tu fait de si terrible pour te retrouver ici? La vie que j'ai menée autrefois ne te regarde pas. Tu connais le règlement. Eva, quittons la ville ce soir. Toi et moi, bel enfant. Merci pour l'invitation, mais on ne sortirait pas vivant de ce patelin. Mais... on ne ferait pas de vieux os. Qui ne tente rien, n'a rien. Manny, ouvre les yeux. Ton âme est prisonnière et tu ne le sais même pas. Encore une petite question sur ma mission. Manny, tu sais ce que tu dois faire. Tu joues les idiots juste pour me draguer. Ah. Il y a des messages pour moi? À part celui sur l'intoxication. Oui. J'ai un seul message pour toi, Manny. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne prends pas tes messages. Mets-toi ça dans le crâne et ne transfère plus tes appels sur mon poste. D'accord. Tu avais donc 4 messages pour moi. Il a de l'humour. Dans mon cœur, tu seras toujours ma secrétaire. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Je n'ai jamais été ta secrétaire. Même... prendre ça. Manny, qu'est-ce que tu fais? Je marque ce carte, chérie. Il avait quelle tête de succès? Il avait sa tête à elle. Voilà. Je regarderai de toute façon à la fin du jeu pour voir les succès que j'ai collectés. Je ne peux pas insérer cette carte là-dedans. Ah si, tu l'as même fait. Et donc maintenant... cette carte est trouée de partout. Voilà. Est-ce que je peux faire pareil? Je ne suis pas le poinçonneur d'Ella Lamoille. Le lancer de cartes, ce sera pour une autre fois. Hop, est-ce que je peux pas aller là, d'abord? Ah, il y a 2 ascenseurs. Pourquoi donc?
T'as eu un succès secret. Ah, le son est bon. Les lumières indiquent laver, rincer, cirer. Et le pays des vivants, selon votre destination. Les chauffeurs démons peuvent s'en servir, mais nous, les commerciaux, ça nous est interdit. Ok. Koubibi. Ah, mais on peut courir. Ah, merveilleux. On puisse courir. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est Grim Fandango. Parce que je devais faire Monkey Island 4. Et finalement, c'était le bordel à lancer. Donc du coup, en attendant que je me pose et que je regarde comment lancer Monkey Island 4 de manière propre, ça sera Grim Fandango pour ce soir. Je ne prends pas ça. Elle est fermée. Qui ose fouiller dans mes affaires? Excusez-moi, je ne m'attendais pas. Les agents commerciaux viennent rarement dans cette partie du garage. Et tu es chauffeur? Moi? Ah, non. Non, non, non. Moi, je suis juste le mécano. Je m'appelle Calavera. Manny Calavera. Moi, c'est Gladys. Les visiteurs sont rares par ici. J'ai un message pour un certain Calavera. Votre chauffeur a dit que Monsieur Hurley a dit qu'il pouvait prendre le reste de sa journée. Tenez-nous à envoyer mon chauffeur chez lui. Ah, l'enfoiré. C'est sympa, non? Je n'ai donc plus de chauffeur. Oh! Ça m'en a tout l'air. Oui, on dirait. Ce soir, c'est le running gag, on est obligé. Antonio va nous expliquer 100 fois pourquoi c'est pas le bon jeu. Alors, écoute, si je l'explique 100 fois, franchement, ça me ferait plaisir. Ça voudrait dire qu'il y a eu 100 personnes ce soir sur le stream. Donc, je suis prêt à expliquer 100 fois, vraiment. C'est la même voix que le Chuck et le mec au bar dans Monkey Island 3 pour Manny. Ah ouais? Glottis. C'est un nom allemand? Oh non! Mes racines ne sont pas sur cette terre. Je suis un esprit du pays des morts. On m'a donné un seul but, une seule spécialité, un seul désir. La bagnole. Conduire! Ou faire des vidanges et régler des allumages s'il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce que ça compte les personnalités multiples? Nope. Belle cabine. Ouais, mais vous ne diriez pas ça si vous étiez enfermé là-dedans toute la journée. Alors... Si tu détestes ton boulot, alors quitte-le. C'est plus qu'un simple job. On m'a créé pour ça. Et puis si je ne bidouillais plus les voitures, j'en mourrais, c'est sûr. Je ne trouve mon bonheur que dans les fumées grasses, noires et nauséabondes. Fais du tuning. Oh, la fumée, quelle horreur. Dit-il en fumant sa clope. Tu devrais mettre un bandeau défilant pour expliquer le pourquoi du comment pour ce jeu. Eh ben pas du tout, je vais tout expliquer à chaque fois. À la bouche. C'est moins long que de, de faire un bandeau qui défile dans OBS. Tu veux bien remplacer mon chauffeur? Moi? Non. Désolé, impossible. Le règlement. Allez, Glottis, j'ai besoin de toi comme chauffeur. C'est pas conduire. Non, impossible. Je Mamie. Suis trop gros. Pourquoi c'est pas Loom ce soir déjà? Parce que ce jeu n'existe pas.
T'es pas trop gros, un peu votripotent, et encore, t'es pas gros. C'est les voitures qui sont trop petites. Tu n'es pas gros, c'est les voitures qui sont trop petites. Ouais, de vrais pots de yaourt. Et ça me donne une idée. Je peux toujours bricoler la caisse, on vire un peu de tôle et le tour est joué. Ah, mais je ne suis pas autorisé à modifier les voitures sans un ordre de la direction. Je me ferai virer. Un ordre de mission, c'est ça? Ouais. Moi, si j'ai pas un mot signé du patron, tout ce que je peux bricoler, c'est le cendrier. Et encore. C'est justement mon créneau. Faire signer les gens. J'irai bien tout de suite. Ouais, ces bagnoles sont trop petites. Tout est trop petit ici, de toute façon. Il a du mal à entrer. Hein. En fait, on a des succès à chaque fois qu'on parle, hein, qu'on parle à des gens, a priori. J'ai eu un succès pour lui aussi. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Ok. Hop, j'ai ça. Ah, je l'ai pas fait celui-là. Ça ne m'avancera à rien. Tu veux aller sur les graphismes originaux, non? Non, l'original c'est ça. Un peu plus spécialisé, mais sur les... Ils ont gardé les fonds. Tout ce qui est, en fait, il y a vraiment juste les objets 3D qui bougent, en fait, qui ont été remaster. Tout le reste, tu vois, c'était gardé, quoi. C'est cool qu'ils aient fait ça. Ça ne m'avancera à rien. Ok. Donc on va aller faire signer la direction. Ça ne m'avancera à rien. Il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Manny Calavera aimerait vous parler. Je vous ai demandé de ne pas me déranger. Désolé, Manny. Demain, peut-être. Ce sera trop tard. Monsieur part en voyage, peut-être. Je ne trouve pas mon chauffeur. Manny, tu sais ce que tu dois faire. Tu joues les idiots juste pour me draguer. Eva, il faut... Je vais tenter le coup. Monsieur Copa... Je vous ai... Désolé, mais... Alors... Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. La porte de Domino est fermée. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je dois faire signer cet ordre de mission. Le DOD, est-ce que vous pensez que c'est le Department of Death? Si je prends ça. Que je peux m'en servir. La porte de Domino est fermée. Je ne veux pas abîmer ma lame. Vas-y, range-la. D'apercevoir la soluce. C'est super long. T'as aperçu la soluce. Comme ça. Comme ça, d'un coup. Hop, pouf. Pif, pouf. Elle est apparue.
Ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. Ok. Voilà le dossier. Il ne méritait même... Il sera encore au cinquième confinement. Bah, maybe. C'est pas grave si c'est un bon jeu. Est-ce que je peux pas jouer aux cartes avec la secrétaire? Ascenseur, ça y a peut-être quelque chose à faire. Ah. C'est pas le même. Merde. Mais. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu qu'on était dans l'autre sens. La 3D est un peu perturbante. Ah, l'ancien chef de notre service, bien avant mon époque. Il paraît que c'était une vraie peau de vache. Ah oui. Comment ça va? Je sais que je n'ai pas le choix, mais je préférerais travailler sur un navire. Enfin, à condition d'en être le capitaine, sinon ça ne vaut pas le coup. Ah oui. C'est fermé. Ok. Voyons voir. Où suis-je là-dedans? Don Copal, Domino Hurley, jeunes cadres associés. J'espère que je n'y suis pas. Mais ce type, je ne sais pas qui est ce type. Ce doit être celui qui a financé la rénovation du hall. Ah oui. Bonjour. Le voilà. Le 9 Express. Un de ces jours, je monterai à bord et je quitterai à jamais cet endroit. Un jour, je monterai... C'est je fermé. Monterai à bord. Ah. Ah, c'est fermé. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Ce jeu de cartes est un peu usé sur les bords. Moi aussi, remarqué. Mais ça peut être un... Cette carte est trouée de partout. Ah, ma faux. J'aime la tenir là où jadis battait mon cœur. Ok, j'ai que ça. J'ai pu aller là, j'ai pu aller là. Bah oui. Ah, on peut sortir.
Je me souviens l'année où ils ont bâti ça. Ça leur est revenu si cher qu'ils nous avaient sucré toutes les primes. Ah là on voit, ils ont vraiment gardé les dessins originaux. Hein. Enfin il y a un clown. Il y a un fucking clown. Des pigeons. Il y a des pigeons. Ah la 3D par contre, faut s'y faire. Hein. Oh, quand j'ai débuté, j'en vendais plein des voyages mortuaires organisés. Tout cela a bien changé. Les voitures sont interdites, comme ça ils sont sûrs qu'on ne quittera pas la ville. J'ai laissé ma dépanneuse dans mon autre costume. Coucou, désolé, je suis en jeu, je suis pas vraiment à nerf. Oui. D'accord. D'accord, Bibi, ça me va. Franchement, ça me va. Je n'aime pas la façon dont cet œil me regarde. Je ne prends pas ça. Coucou ? Entraîne-toi bien, ça sera pire dans Monkey Island 4. Alors de ce que j'ai vu, on pouvait utiliser la manette dans Monkey Island 4. Donc ce qui permettrait peut-être d'être un peu plus utilisable. On dirait une corde, mais en fait ce sont de vulgaires nœuds attachés ensemble. Elle manie. Qu'est-ce. Oh là là. Mais même les pigeons, ils sont morts en fait. C'est rigolo. Ça doit être mon bureau. Personne dans le bureau de Domino. Ah. Domino a verrouillé sa fenêtre. La peur des pigeons, sûrement. Merde. Dommage. On dirait que le patron est parti à la pêche. Ça servirait à rien. On dirait que le patron est parti à la pêche. Ça servirait à rien. Émanant du bureau de Don Copal. Hey, les ordres de mission sont du ressort de mon service. Ils ne sont pas échangeables. L'échange, la vente et surtout le vol des ordres de mission sont passibles de sanctions sévères. C'est rigolo, il limite. C'est le foutoir ici. Ça me tenterait bien de fouiller partout, mais je suis déjà en retard pour la grande intox. Ah là là, évidemment, évidemment. Encore des trucs que je n'ai pas le temps de lire. Pas le temps de fouiller, je devrais déjà être à l'intox à l'heure qu'il est. On dirait que Don a programmé son micro pour répondre automatiquement aux appels. Ah. Pas maintenant, Eva. Plus tard, je suis au milieu d'une réunion. Je vais demander de ne pas me déranger. On me dérange sous aucun prétexte. Ah non, Eva, signez-vous-même. Voulez-vous ? Je suis débordé. Ah. Vous en prie, Eva, j'ai besoin de rester seul. Dites-leur que les chèques ne sont pas prêts. Ah, putain. Allez, réponse toute faite. Je suis en ligne. Si vous m'appelez encore une fois, je saute par la fenêtre. Ok, donc on va lui dire... Je vais juste changer son message. Voilà. Ah non, Eva! Signez vous-même, voulez-vous? Je suis débordé!
Nickel. Regardez s'il n'y a pas autre chose à choper. À tous les employés du département de la mort, bureau des acquisitions. Les employés ayant rempli leurs objectifs de vente peuvent prendre congé pour la fête des morts du moment qu'ils rattrapent le temps perdu le week-end prochain. Son sens du rangement me donne la chair de poule. Pas le temps de fouiller, je devrais déjà être à l'intox à l'heure qu'il est. Son sens du rangement... Je reviendrai quand l'intoxication sera terminée et je fouillerai partout. Au moins c'est clair. Encore des trucs que je n'ai pas le temps de lire. Ok. Donc on va pouvoir faire signer le truc. Ah. Que j'ai déjà rencontré avec... Mais Twinsen. Ah, non. Twinsen, tu vas te reprendre en time-out, hein, vraiment. C'est pourtant clair. Pas de spoil. Commencer à me dire, est-ce que t'as vu machin, est-ce que t'as vu truc. C'est me spoiler, quoi. Et en plus, comment... Enfin... Mais si, c'est du spoil, mais si. C'est, je vais rencontrer un mec qui s'appelle Hector, quoi. Enfin, donc voilà, c'est, si j'ai pas demandé, tu me dis rien sur le jeu, quoi, sur le futur du jeu. Merci, vraiment. Et en plus, tu connais pas le... Comment ça, non ? Est-ce que t'as rencontré Bibi la diva ? Oui, pour de vrai. Pour de vrai, j'étais même à son mariage. Donc oui. J'ai rencontré Bibi la diva. Alors... Bon, on n'a pas l'air très doué pour l'instant avec ça. On reviendra après. Bibi qui se demande du coup de qu'est-ce qui se passe. Non, je pense que Melzekiel était ironique hein, par rapport au fait que Twinsen adore spoiler. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui, mais t'as toujours une bonne raison, Twinsen, à chaque fois, donc juste non, quoi. Pour moi, c'est chiant, en fait, d'apprendre des trucs. Bah voilà, c'est juste chiant. Donc quand tu verras le perso, tu pourras dire voilà qui fait la voix, quoi. Ça sera cool. Voilà, je suis preneur d'anecdotes, mais au moment où ça arrive, quoi, pas avant, quoi. Comme je n'ai pas pu me rendre à la fête cette année, je crois que j'ai droit à un petit pan de muertos. Ça risque de faire des miettes. Alors, un petit pain. Un petit pain et un clown chelou. Ces caisses bloquent complètement le passage. S'il y avait un incendie... Ah, va falloir que je foute le feu, quoi. Mais je sais pas, il sera là quand. Bah, ok, bah attends. Sois patient, en fait, c'est tout. Je sais que c'est elles pas... Elles sont remplies de cotillons, mais je n'ai pas envie de faire la fête. Je sais que c'est pas ton fort, la patience, mais sois patient, ça. Ça va pour toi, les clowns ? Eh, fiche le camp, je m'entraîne. On peut savoir à quoi ? À te tordre le cou, ça te va ? Oh, putain. Ah, putain, bonne ambiance. J'aimerais bien de cela, s'il te plaît. Un ballon comme ça ? Ça marche. Alors... Mais j'ai une oreillette, je vous écoute. Oh là là. Tu peux me faire un chat ? Regarde un peu ce que je sais faire.
Je sais tout faire. Je peux faire des oiseaux, des amphibiens, des marins célèbres. Fais ton choix. Un chat, un dingo, un ver de terre, le capitaine Haddock. Je suis pas de bon poil en ce moment. La NSA, c'est moi. C'est pas joli, la NSA. Le capitaine Haddock, on essaie de me coller, hein? Ta-da! Oh, trop bien, quoi. J'en voudrais un autre, voudrais un autre, c'est pour mon fils. Oh, mince. Quoi encore? Un verre de terre. Rien de plus facile. Oui. Cela, c'est illimité. Ok. Je peux venir dans ton stand. Je veux voir le défilé. Va voir ailleurs, ok? Tu me prends pour le portier ou quoi? Belle fête, hein? Ouais. Y a du monde. Voilà que mon syndrome carpien osseux se réveille. Mais tu n'as pas de tendon. Et toi, tu n'as pas de langue, et pourtant tu n'arrêtes pas de jacasser, non? Bim! Tu peux me montrer comment tu fais? Puisque tu débutes, le mieux est de commencer par le plus simple. C'est-à-dire? De l'air! Oh là là, mais... Bang! Un autre de crevé. Ah, ces doigts pleins d'os! J'en voudrais un autre. Un dingo? C'est ma spécialité. Ta-da! Trop bien. Petit succès. J'en voudrais... D'accord. Pas... Un petit chaton. Oh. Oh, petit chaton. Et je vais voir tout ça dans mon... Dans mon inventaire. Oui. Oui. J'ai tout dans l'inventaire. Ok. Non, non, range ça, range ça, range ta baguette. J'en voudrais un... Je peux avoir... Et celui que je vous ai donné, vous l'avez... Non. Alors profite. Tu peux me faire... Et celui que je vous ai donné... Non. Alors Tu as encore... Bien. Ok, donc ça, faut que j'en fasse plusieurs. Combien je peux... Comment il faut que j'en fasse? Après vous. J'en voudrais... Tu n'arriveras... Et celui que je vous ai... Non. Alors Tu as encore des... Bien. Ok. J'en voudrais un. Tu as encore de bien. Alors, qu'est-ce que ça donne dans mon inventaire? Ok, donc j'en ai plein. Je dois m'en aller. À toi aussi. Ok. Ça c'est bon. Est-ce que je peux m'en aller? Est-ce que je peux courir sur l'autoroute? D'après vous. La forêt pétrifiée. Roubacar. Je ne veux pas me faire écraser. Je ne devrais déjà pas être ici. Je ne veux pas me faire écraser. Je ne devrais déjà pas être ici. Ok, 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 ok. Allez hop, j'y retourne. Je vais aller faire signer mon petit coupon. Je vais tenter. Monsieur Copal, Monsieur Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Ah non, Eva! Signez vous-même, voulez-vous?
Je suis occupé. Excusez-le, Manny, j'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de force 3. Mais donc il s'est barré par la fenêtre en fait pour que... Je savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. En fait, c'est marrant, le patron s'est barré par la fenêtre, quoi. Oh. Oh là là, dis donc. On dit que le noir, ça amincit. Je conduis. Yopé, je conduis. Au niveau sécurité, je suis pas sûr. Hein. Bon. Bon. J'aurais été beaucoup plus vite à pied. Il aurait j'ai loupé l'intoxication. Continue de me glacer les os. Hop, je reviens. Je vais ouvrir au chat qui demande à rentrer. À tout de suite. Je fais une petite pause comme ça. Ça permettra d'avoir la transition en revenant et ça sera cool. À tout de suite. Quelle belle transition. Séverine, alors pourquoi c'est pas Monkey Island? pas du tout. Alors c'est Monkey Island en fait, mais sauf que Guy Broch est décédé. Et donc c'est pas Monkey Island parce que voilà, le jeu ne fonctionnait pas. Enfin, le jeu fonctionnait mal pour le streamer. Et donc voilà, je me suis pris un peu trop tard. Donc cette fois-ci, j'avais installé le jeu. Mais je l'avais pas testé pour du stream et donc du coup et bah ça sera une autre fois quoi. Faut vraiment que je me pose et que je regarde pourquoi ça a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire tout ça donc Guy Broch s'est suicidé parce que c'est trop long. Oh là là, elle parle mal. Ça y est, elle parle mal quoi. À vrai dire, j'aimerais mieux libérer l'âme de ce milkshake. voilà, onctueux à souhait. Alors... Je dois dire que ça a l'air appétissant. Petite frite ? Pas tout chaud, hamburger. L'âme des vaches dans ce monde, je ne peux que regarder, sentir et récolter. Regardez-moi ces nigauds. C'est la peur de la mort qui fait de nous des monstres. Qu'est-ce que... Hein ? Il est normalement peur, interdit de faire peur aux vivants, mais on le fait tous. D'accord. Bon, a priori... Attaché seulement par le fil ténu de la mortalité... Une âme essaie de se libérer de mon emprise. Il en sera ainsi grâce à un bol de gazpacho et à un homme appelé Calavera. Ce sont des Picasso, c'est vrai que... Je ne travaille pas à main nue, je suis un professionnel. Ah. Allez, ta petite faux, mon gars.
C'est un bal masqué ? Ah mais merde quoi. Mais nous proposons plusieurs types de forfaits si vous voulez bien. Arrêtez votre baratin, je veux quelque chose de pas cher où je peux me la couler douce. Aïe aïe aïe. Tu sais Manny, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide si tu le veux. Oui oui oui. On va faire du tuning. Oh, ouais, on abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carbu. Bah, évidemment. Évidemment le double carbu. Comme ça, vous serez bien au chaud, monsieur Martinez. De plus, le mélange de ces deux produits crée une mousse qui atténue les secousses et qui la rend très confortable. Ouais, bah, tout bien réfléchi, je prendrai la formule OC. Désolé, Bruno, mais votre dossier ne le permet pas. Mais vous, vous avez droit à cette tasse de bienvenue. Attendez, vous ne pouvez pas me trouver un truc là où on peut bouger les jambes? Ce serait avec plaisir, Bruno, mais mon patron est une vraie peau de vache. Faut bien que je sois une peau de vache quand j'ai des agents aussi empotés que toi qui travaillent pour moi. T'es aussi doué pour la vente qu'un cul de jatte aux 100 mètres. J'ai tout de même un client. Je parle de gros clients, Calavera. Domino décroche des contrats en or, lui. Comment pourrais-je décrocher des gros contrats avec les rebuts qu'on m'envoie? Hé hey, tu t'en prends maintenant. Merde. Tu sais que tu commences à me plaire, Manny. Si t'as pas décroché un gros contrat avant le prochain rapport, dehors, compris? Je te vire. Au shop du garçon. Qu'est-ce que tu feras avec ton coaster kitsch et ton sourire Colgate? Je me le demande. Comment ça, je suis un rebut? Comment osez-vous? Non mais arrêtez. Ouais, ça finit le livre. J'en ai marre d'attendre qu'une opportunité se présente comme une alouette rôtie tombée du ciel. Il est temps d'agir. Ouais. Ouais. Je sais pas, je regarde. Est-ce que je suis meilleur en pirate ou en tant que squelette? Bibi qui c'est pas, regarde pas. Au moins, c'est clair quoi. Tu as loupé une salmonellose de première. Et toi, t'as loupé un client pas banal. Figure-toi que Domino est revenu avec une bonne sœur. Hirole, j'ai juste ramassé un petit grincheux, c'est râpé pour la prime. En tout cas, tu ne fais rien pour en décrocher une. En fait, Kropal n'est pas vraiment dans son bureau. Je connais tes intentions, mon mignon. Hein? Tu essayes de m'éloigner de mon bureau pour faire une guirlande avec mes trombones. Tendis un peu, mon chou. Si ça ne te fait rien, Manny, j'ai encore un dossier à compulser. Compris. Ahoitayacho. Comment a fait pour arriver à son bureau le matin? Il n'y a pas de place. Tu joues à quoi, Bibi? Tu surveilles les enfants en jouant. Pas encore coucher les enfants là? Quoi ce bordel? C'est quoi cet horrible grincement que tu fais? C'est mes chaussures. C'est pas les chaussures, c'est les. C'est les ballons. Au moins, avec le punching ball, tu ne lèves plus le coude. Hey, Manny, comment ça va? Le seul qui fait des conneries, c'est Tony Hobb. On va le surveiller de près. Jamais. Yazootopie sur M6. C'est nous, les enfants. Non? Hein? Comment ça? Un vieux film de Noël moisi. Alors... Alors, cette salmonellose, c'était comment? Disons que Sir Calabasa s'est découverte une passion inavouée. Pour les trains. C'était une bonne sœur? Sainte Vierge. Et tu lui as vendu un billet pour le 9 Express? Chou-chou, c'est parti! Et toi, ça a marché? Mais Gnome Dorme, je parlais de ton chat. Ah, mais pas de Rabia. D'accord, ok, ça marche.
J'ai aussi une nonne. Une bonne sœur qui s'appelle Bruno. C'est pas courant. Tu sais bien qu'elles se donnent entre elles de drôles de surnoms. J'ai une question à te poser. Vas-y, accouche. Comment fais-tu pour lécher les bottes du patron? Tu n'as pas de langue? Ma langue est bien pendue, ça va. J'ai suivi ton exemple. Ouh, non mais c'est les batailles de... C'est les duels dans Monkey Island, hein. C'est à celui qui balancerait la meilleure vanne. Hein. Tu me prêtes un de tes clients? Bien sûr. Dès que j'en ai un qui me semble à ta portée, tu doutes vraiment de mes compétences? Mon coup droit vaut bien ton uppercut. Pourquoi tu récupères toujours les meilleurs? C'est pas à moi qu'il faut demander. Tu auras la réponse en regardant le type qui est dans ton miroir. Non, merci, je n'y prends pas le même plaisir que toi. C'est ton chat ou ton chat? Ouais. Comment as-tu décroché ce job? Tu voudrais connaître le secret de ma réussite? Non, je veux savoir pourquoi tu te retrouves coincé ici au DDM. Quel péché as-tu commis et combien de temps dois-tu bosser ici pour te racheter? Je pourrais te poser exactement la même question. Je ne pourrais pas te répondre, je ne sais pas ce qu'on me reproche. Eh bien, moi non plus, je n'en sais fichtrement rien. J'ai un truc à te dire. Bon, vas-y, je suis tout ouïe. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Autrefois, c'était mon bureau ici. Ouais, je sais. J'ai vu ton nom dans une ou deux BD qui traînaient. Oh là là, les salauds. Ça vanne, mais ça vanne. Je veux retrouver mon bureau. T'inquiète pas. Tu auras tout le temps d'en profiter une fois que je serai monté en grade. Le injugeant, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis sûr que tu mijotes quelque chose. Je mijote rien, moi. Je décroche. Déjà 4 forfaits cette semaine. On devrait s'associer. Mais devenir tout, partenaire. Je juge pas. Je voudrais bien, Manny, mais tu m'intimides trop. Je ne pourrais pas avoir pour partenaire quelqu'un qui a une vie de baroudeur comme toi. Si c'était le cas, tu aurais déjà quitté ta femme. Je vais t'en allonger une, Hurley. Oh non, tu ne vas pas me refaire le coup du réveillon. C'est ça qui s'est passé, quoi? Il s'est passé quoi au réveillon, juste? Tu ne te souviens vraiment de rien, hein? Je te conseille une bonne cure de limonade. Je vois que tu es en train de t'essouffler. Je vais te laisser. Repasse quand tu veux. Tu peux le ban? Non, c'est impossible. C'est impossible. Par contre, moi, je peux ban les modos si je veux. Ça, oui, je peux. Alors, qu'est-ce que je puis faire? Ah, je peux lui piquer des trucs. S'il pique la bouteille. Comment ils font pour boire? Vas-y, brise-moi le cœur, mais j'ai pas envie. Je disais que j'en avais la possibilité, mais je le ferais pas. Il a des tiroirs? Pourquoi je n'en ai pas à moi? Hey, fiche le camp de là, Calavera. Pas de message dans le tube rouge de Dom. Hey, Dom, c'est quoi le mot de passe de ton micro? Touche pas à mon ordinateur, Manny. Ah, alors le micro, c'est le micro-ordinateur. Je pense que si je repars par la fenêtre, Dom serait capable d'appeler le psy de service. Je pense pas que c'est toujours utilisé comme terme pour parler d'un ordinateur. D'un micro. Ça, c'est quoi, ça? Visez-moi tous ces diplômes. Pour décrocher des diplômes comme ça, il faut avoir le bon profil, Manny. Ou alors graisser la patte à un des membres du jury. J'en ai plein, moi aussi. T'as rien du tout, Mani. À un moment, faut t'arrêter de te mentir. Hein. Est-ce que je peux lui reparler? Hé, hey, Dom! Ouais? Je vois que tu es en train de te... Repasse. Ok. Ok, j'ai parlé avec lui.
que je peux... Je peux faire banguer... Juste du bruit, ok. Mais non, mais oh là là, la 3D elle est infernale. Alors ça va être quoi cette fois-ci? Le dossier de Bruno sans le soufre, j'ai peur que le micro ne prenne feu. Ok. Cette vieille vanne. Y a rien là-dedans, je vais l'aérer un peu, je crois qu'elle en a besoin. Ok, bon. On va retourner dans le bureau du patron. C'est pourtant le même moteur 3D que Monkey Island. T'es sûr de ça? Ah! Et tes costards à la noix et tes trous de nez plantés au ciel, ça t'amuse tant que ça d'envoyer tes canettes de bière vides dans le tube, hein? Vous ne comprenez donc pas que le répartiteur du tube est un truc fragile et sophistiqué, hein? Tu te crois plus malin que moi? Non. Bon. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mécanisme fragile et sophistiqué qui régit le réseau de communication du département de la mort. DOD, Department of Death, j'avais raison. Danger, alarme incendie, ne pas toucher. Trop loin. Vous ne devez pas tourner, la porte reste bloquée. Si je prends la baguette de pain et que je la mets dans la porte. Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Quel dommage. C'est le mécanisme fragile et j'ai pour règle de ne jamais toucher à quelque chose de plus sophistiqué que moi. Oh, comment il se la raconte. Ça, ouais, ça me mène ici. J'ai vu ce tube rouge quelque part. Ce doit être l'autre extrémité du tube à message de Tommy. Si je pouvais entrer là-dedans. Voilà, si je peux entrer du coup. Là. Bon, c'est qui est bloqué pour l'instant. On va sortir. Voyager en toute tranquillité. Bruno, tu es dans un de ces cercueils? Ils ont déjà dû l'emmener. Ok. «
C'est ici que l'un de nos produits chimiques de conditionnement est fabriqué. C'est une flaque des produits chimiques. Je ne veux pas de ce liquide sur mes mains. Pouah, ça empeste. C'est notre mousse d'embaumement. Ok. Si je mets sur du pain, je croyais que ça marche. Ce n'est pas enflammé. Ok. Bon, déjà, ça me dit que ce truc-là, faut que je l'utilise sur des choses qui prennent feu, quoi. Le pain. Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Ok. Bon. Je sors. Allez, Manu, dépêche-toi. Ah merde. C'est fermé. Merde, il est revenu. Les stores sont baissés. Don doit faire sa sieste. Pac et Jomino est là-dedans. Ça, je devrais pouvoir faire quelque chose avec ça. Il ressemble pas du tout au capitaine Haddock. Il est d'une mauvaise foi en plus. Non ? Non, ça n'a rien fait. Range-moi ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ça c'est pour les trucs enflammés. La baguette. Baguette. J'accroche la baguette, non? Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Ça risque de faire des miettes. Ah bah les miettes pour les petits oiseaux. Eh oui. Ça risque de faire des miettes. Ça risque de faire des miettes. Moi, je veux que tu fasses des miettes pour les petits oiseaux, moi. Ça risque de faire des miettes. Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment... Ça risque de faire des miettes. Ça, on peut le jeter ici, mais quand je le jette ici, ça ne marche pas. Que faire ?
Les ballons ne sont pas faits pour ça. Pour ça, il me faudrait des poumons. On les remplit avec des produits chimiques. Les ballons ne sont pas faits pour ça. Donc je peux pas aller dans le bureau du chef. Ok. Là je peux pas y aller. Il va me dire voilà que j'ai pas le droit. Là, je n'arrive pas à l'ouvrir. Là. Je n'aime pas la façon dont cet œil me regarde. Je ne prends pas ça. Coucou. Coucou. Je vais reprendre un peu de pain en l'honneur des morts. Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Je vais reprendre un peu de pain en l'honneur des morts. Ok, donc on peut avoir 12 000 objets du même type hein, dans le jeu. Et est-ce que ça apparaît plusieurs fois ? Une baguette, deux baguettes. Ah ouais. Ouais. Effectivement, ça apparaît plusieurs fois. C'est déprimant là-bas. Peut-être, ouais. Je dois m'en aller. C'est pas toi aussi? Ou pas? Si, si. Si, si, Bibi. Que je joue avec une baguette de pain. Alors. Avec de la coco, c'est pas déprimant ? Des produits. Et j'ai l'autre avec l'autre produit. C'est pas, il a pas vu. Lumière qui est zéro. Ben oui, je sais. Je sais. Je suis inculturisé. Ce ballon contient un produit chimique limpide. Ce ballon contient un produit chimique opaque. Ok, bon. Il y a déjà une sauvegarde à faire. Donc j'ai les deux produits chimiques. La flaque, il va me dire qu'il veut pas... On peut créer de la mousse. J'ai pour règle de ne jamais toucher à quelque chose de plus sophistiqué que moi. J'ai déjà vu cette tube rouge quelque part. C'est un ballon dégonflé.
Ce n'est pas enflammé. Ok. Pas assez de place. Comment ça, pas assez de place? C'est trop tôt. Pas vraiment envie de faire ça. J'ai une idée. Truc dans le machin, puis faire un bidule avec. Exactement. Mais c'est exactement qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre. Regardez. Non, c'est du côté. Prendre ça. Je vais le mettre dans le tube. Pas vraiment envie de faire ça. Pourquoi t'as pas envie? Tu mets dans ça. Son truc? Pas vraiment envie de faire ça. Ah, mais fais quelque chose, quoi. Ça servirait à rien. Chez moi. Alors. Voyage. Ok. Maintenant, je prends l'autre. Ça fait un petit bruit bizarre dans le truc. Il n'y a pas de pression. Le serveur doit être en panne. Oh bah, j'aime beaucoup le mec qui défonce tout, puis oh bah, Lyon. Lyon. Ça marche plus. Ça marche plus, c'est étrange. Hop, on court. Le serveur est encore HS. Et à part ça... Ah. Si ça ne te fait rien, mais... Compris. Auteyacho. Nanani et banana. Bananana, bananana. Le truc est cassé. Ouh. Regardez, il est en train de tout réparer. Notre pinko. Non. Voilà, parle au mecton. Trop loin. Salut, je ne reçois plus de messages. Le serveur est en panne? Si j'attrape celui qui a fait ça, il va m'entendre, ça oui. Je vais bourrer leur tube avec du produit de conditionnement. On verra s'ils apprécieront. Leur tube. Ah, ok. Je spoil qui je veux, quand je veux, Bibi. Mais qu'à la fin du livre, il y a un point. C'est pas vrai, t'as mis un point d'exclamation. Il a le sourire du plombier. T'as pas ça comme ça, toi hein? Ça veut dire que le serveur est HS, c'est ça? Impossible.
Le serveur ne peut pas être en panne. La connexion est momentanément interrompue, le temps de regarder ce qui ne va pas. On dirait les excuses d'Admin 6. Non, non, le serveur il va bien, hein. C'est un autre problème, mais votre serveur il va bien, ne vous inquiétez pas. Et vous en avez pour longtemps ? On ne peut pas prévoir, c'est un travail délicat. Disons quelques heures. Ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour pouvoir sortir. C'est une autre possibilité. Je peux entrer là-dedans ? Juste une seconde. Vous voulez rire ? C'est une zone de sécurité maximale. Je suis le seul autorisé à y pénétrer. Vous devez être quelqu'un de confiance. Sachez que je suis un esprit en provenance directe du pays des morts. Oui, oui, ne dites rien. Vous êtes programmé pour un seul but, une seule spécialité, réparer les répartiteurs de tubes. Avant, j'étais garçon d'ascenseur. Mais avec les cellules photoélectriques, je me suis retrouvé au chômage. Non. Par curiosité, comment êtes-vous entré ici ? Je me suis faufilé dans un de ces tubes comme un lutin. Comment croyez-vous que je sois arrivé ? Par la porte, tout comme vous. Qui peut bien faire une chose pareille ? Ces vauriens qui sont au service du courrier. Ils pensent que cette machine va leur faire perdre leur travail. Et ils ont raison. Oh putain, le salaud. Oh, quel salaud. Ça y est, putain, on est dans un jeu de droite. Vous savez, ça a l'air propre maintenant. Un bon décrassage, c'est ce qu'il lui fallait. Si je peaufine un peu, c'est par mesure de sécurité. C'est que je risque gros. Ça, oui, je vous crois. Hé, dis donc, la pipelette. J'ai plein de tubes à décrasser. Hé, moi aussi. Je vous laisse partir. Petit grattage de fumée, hein. Ça recommence. Vous voulez tout faire sauter ou quoi ? Vous ne savez pas que cet extincteur contient du magnésium ? Essayez-le sur cette mousse pour voir, et on se retrouvera sur Neptune en un quart de seconde. Quoi ? Pourquoi laisser à portée de main un truc aussi dangereux ? Il n'était pas prévu que cette pièce abrite des déchets toxiques. Hé, je ne reçois toujours pas de message. Je suis en train d'en envoyer un. Mais vous ne voyez pas ma main. Oh. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut dire. Ce trou est bloqué. Ouais. C'est l'ouverture de la porte. Ouais. Je ne prends pas ça. Ouais. J'ai déjà vu ce tube rouge qui... Ok. Entre le mec à la dent en or de Monkey Island 3 et celui-là, on devrait les marier. C'est la politique du gouvernement. Il a fait. Et on le voit un papier, on a l'impression, non ? J'ai déjà vu cette tube rouge quelque part. La roue ne va pas tourner, la porte reste bloquée. Il y a autre chose qui la bloque de l'autre côté. Il y a un truc à faire avec l'extincteur en fait. Du coup. Ce n'est pas enflammé. On s'en fout, il a dit que ça allait exploser si on s'en servait. Non, c'est chiant. Oh, c'est chiant, hein. Ce n'est pas enflammé. Trop loin. J'ai déjà vu cette tube rouge quelque part. Ok. Ouais, il faut que je recasse le truc.
Alors. Si je recasse le merdier. Mais non, là. Et que j'arrive avant l'autre, c'est ok? Non? Trop. Je ne sais pas trop. Il l'a cadenassé. Il ne me fait pas confiance, c'est incroyable. Et il a tellement raison. Pas de message dans le tube rouge de Dom. Mon tube à message est vide, comme d'habitude. Petite baguette de pain. Ça a marché un peu, mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose après. Oh, le mec, il met tout ce qui lui passe, quoi. Non, ça fait juste ça, ok. Hein? Ah, je peux utiliser les trucs, d'accord. Est-ce que je peux mettre ça dedans? Si je force bien. Ce n'est pas enflammé. Non, ça ne marche pas. Que je peux mettre le petit chien dedans? Non, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Oh, ça fait ça. Ok, le petit chien, le truc, du pain, le poinçonneur des lilas. Non mais on va le répéter, hein. Il y aura du pain en plus cette fois-ci. Ok. Le suivant. Ok, on a répété le truc. Si je mettais du pain maintenant. Non, du pain. Le pain. Allez. Mets du pain par-dessus. Voilà, merveilleux. Hop, du pain. Il n'y a pas de pression. Ah ouais, plus de pression. Le serveur doit être en panne. Il n'y a plus de pression. Il faut que j'aille voir à côté. Je vais voir chez mon pote à côté, là. Ah bah non, il est cadenassé. Il disait qu'il y avait un cadenas dessus. En plus, il l'a cadenassé. Ouais, il me fait pas confiance, c'est incroyable. Le serveur est encore HS. Et à part ça... Ce répartiteur a vraiment l'air gluant.
J'ai pour règle de ne jamais toucher à quelque chose de plus sophistiqué que moi. Ou alors... que je mette un objet. Meilleur spoil à la fin de la journée, vient la nuit. Ça fait un petit moment que la nuit est arrivée, a priori. De pain. Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Ce n'est pas enflammé. Ok. Ce n'est pas enflammé. Hey, je ne reçois toujours pas de message. Je suis en train d'en envoyer un. Ok. Comment on peut se démerder? J'ai vu ce qu'il fallait faire, mais je dis rien. Eh bah, très bien. Très bien. Écoute, Winsen. C'est parfait. C'est ce que tout le monde fait, en fait. C'est plutôt chouette. Sauf si tu demandes. Oui, mais pour l'instant, je demande pas. C'est gentil. C'est trop tôt. Me servirait un jeu de cartes. Je sais pas à quoi ça te servira un jeu de cartes. Je ne peux pas insérer cette carte là-dedans. Ah bon ? Et dans lui ? Je ne peux pas insérer cette carte là-dedans. Sauf au moment où il se gratte le fion. Et ça, la baguette, tu peux ? Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Ça pouvait exploser. Ah, notre sympathique équipe de maintenance va nous arranger ça. Hey, je suis. Ouais, on voit toujours pas ce qu'il fait. Ah. Ok. Je viens de verrouiller la porte. Étrange, mais d'un symbolisme saisissant. Ok. Si je mets des miettes de pain dedans. Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Thank you.
Cette roue est bloquée. Et du coup, là, vu que j'ai fait ça... Lui, quand il va partir, la porte va pas... Bon, on va essayer. On va essayer comme ça. C'est la politique du gouvernement. Regardez, il va pousser la porte seulement. Voilà. Regardez ça. Et ouais. Et ouais, et ouais. C'est fermé. J'ai déjà vu cette tube rouge quelque part. C'est le mécanisme fragile et sophistiqué qui régit le réseau de communication du département de la mort. J'ai pour règle de ne jamais toucher à quelque chose de plus sophistiqué. Ok, par contre... On pourrait mettre la carte. Allez. Merci. Mercedes Colomar, client numéro 9308, blablabla, morte de la varicelle, date du décès, etc. Ah, point positif, lisez des histoires à des enfants en soins palliatifs. Oh, c'est bien ça. Parfait, c'est absolument parfait. À nous deux, Mercedes Colomar, vous êtes celle que j'attendais. Nickel. On va trouver une bonne cliente. Glantis, tu es devenu dingue ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une voiture de fonction. Je sais, des fonctions, je viens d'en rajouter plein de monde. Allez, tiens. Oh, le truc qui fait des flammes et tout, quoi. Il te parle espagnol des fois, qui ça? Buenos días. Vous n'êtes pas l'infirmier? Non. Vous n'allez pas me donner mes médicaments? Non, mais je vais vous soulager de votre mal. Ainsi, ils n'ont pas pu me sauver? Non. Mais vous, par contre, vous pouvez me sauver. C'est une lourde responsabilité, monsieur Calavera. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis irréprochable? Mademoiselle Colomar. Appelez-moi Meche. Meche, votre visage ne ment pas. Et votre dossier le confirme. Vous avez droit à un billet de première classe pour... Nulle part. Hein? J'ai fait quelque chose de mal? Si c'est le cas, ce n'est pas dans votre biographie. En tout cas, pas dans les premiers chapitres. Qu'insinuez-vous donc par là, monsieur Calavera? Il te parle, n'est-ce pas? Le jeu, vu que t'es bilingue, c'est parfait. Oui, non, mais c'est ça, c'est... évidemment. Ami, me gusta el juego. J'insinue seulement que j'ai été renvoyé. Êtes-vous sûr d'être Mercedes Colomar? Êtes-vous bien sûr de ne rien me cacher de votre vie? Êtes-vous bien sûr de ne rien me cacher sur votre vie? À vrai dire, je ne vous ai encore rien raconté. Pourquoi ils s'habillent alors que ce sont des squelettes? Bah parce qu'ils sont pudiques. Cruel envers les animaux. Cruel envers les animaux? Oh non, je les adore. Une fois, quand j'étais bénévole dans un refuge de la SPA... Ça va, j'ai compris. Avez-vous tué quelqu'un au cours de votre direct, vie? C'est direct au moins. Non, jamais. Vous en êtes sûr? Jamais, vous en êtes sûr? Non, je l'avoue, je n'ai jamais tué personne. Et vous n'avez même pas essayé? Je n'ai peut-être pas été assez persévérante. ouais. Un vol à l'étalage, peut-être. On m'a accusé de vol une fois. Ah. Mais je n'y étais pour rien. Ce chiot m'avait suivi jusque sur le trottoir. Oh. 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 Pas parce que t'es un squelette que t'as pas le droit d'avoir du style. Exactly. Squelette homme ou femme, c'est pareil. Ah non. Ah non. En plus. Ce n'est pas le cas.
On peut distinguer les hommes et les femmes avec le squelette. Vous savez toujours payer vos impôts. Je n'en ai jamais payé de ma vie. Ah ah. Je n'ai jamais gagné assez pour être imposable. Tout au long de ma vie, je n'ai fait que du bénévolat. Mm-hmm. Ah. Et votre mari, vous l'avez trompé? Monsieur Calavera, vous voyez bien que je ne porte pas d'alliance. Vous ne portez pas votre âge non plus. Je crois que vous êtes obligé de me faire confiance. Alcoolique? Oh, Manny, là vous me décevez vraiment. Soyez coopérative, mais c'est juste un péché. Si ça peut vous aider, je veux bien faire une grosse bêtise. Non, ça ne compterait pas. J'abandonne. Ne vous découragez pas, Manny. Êtes-vous sûr d'être Mercedes Colomar? Oui. Voulez-vous que je vous montre ma tâche de vin? je crois qu'il n'y en aura plus. Je crois qu'il n'y en aura plus. Gauchiste? Comment ça? Comment ça, gauchiste? Bien sûr. Où est-elle? Dites-moi d'abord où vous avez rangé ma peau. Excusez-moi, mais je dois consulter votre dossier. Je suis désolée de vous mettre dans un tel embarras. Ce n'est rien, mais je vous en prie, appelez-moi Manny. Je planche encore sur votre cas. Je ne suis peut-être pas la femme que vous espériez. Oh. Ah, pépard la peau. Je n'y comprends rien de rien. Pourquoi Mitch n'est-elle créditée d'aucune bonne action? Je planche encore sur votre cas, Mitch. Je ne suis peut-être pas la femme que vous espériez. Elle m'a l'air parfaite. Je suis vraiment désolée, Manny. La porte de Domino est fermée. Domino. Ah. Hé, hey, tétanos, dans mon bureau, maintenant! Tu as vandalisé ce qui appartenait à la compagnie pour obtenir des informations confidentielles. Tu as pris une voiture illégalement modifiée, conduite par un chauffeur non déclaré, et tu as doublé Domino. Tout ça pour voler un client à son agent légitime. Rien n'est légitime dans cette compagnie. Vous donnez tous les bons clients à Domino. Manny, je suis vraiment gêné pour toi, tu sais. C'est tout le département qui est gêné. Je vais faire venir cette femme et tu lui présenteras toi-même des excuses. Eva, faites entrer Mademoiselle Colomar. Elle est déjà partie, monsieur. Elle a dit que comme elle ne marchait pas vite, elle devait se mettre en route tout de suite. Marcher? Alors qu'elle avait droit au 9 Express? Elle est partie à pied, c'est insensé. C'est la meilleure formule que j'ai trouvée pour elle. Tu comprends pourquoi je donne les bons clients à Domino? Cette femme était une sainte. On allait lui vendre un billet pour le 9 Express et on n'a pas pu le faire parce que toi, t'as pas pu lui en trouver un. Et maintenant, à cause de ton petit poids de cerveau, la voilà partie là-bas, toute seule, dans la grande forêt pétrifiée, sans défense, risquant à tout moment de tomber sur un démon. Voilà sa récompense pour avoir mené une vie de labeur au service des autres. Son destin a été volé par un vendeur prétentieux qui cherchait à s'octroyer une commission qu'il ne méritait pas! Rentre là et tiens-toi, peinard, jusqu'à ce que le patron décide de ton sort! Quelqu'un va devoir porter le chapeau pour ça, Calavera, et ce ne sera pas moi! Bon, bah voilà. Voilà. Finalement, c'est vrai que son bureau, il était pas ouf, notre pote là. Hein. Encore tout faire péter, c'est ouf. Je ne vois personne de ce côté. Elle ne s'ouvre pas. Je ne prends pas ça. Hé, il y a quelqu'un? Alors, Manuel, as-tu pensé aux conséquences de tes actes? C'est qui? Qui est là? Je suis toi, ou plutôt... ce que tu étais autrefois. Maintenant, moi, c'est moi. Alors, du vent. Moi, c'est moi, et nous, c'est nous. Fais-moi sortir d'ici. Pour sortir, Manuel, il faut d'abord rentrer dans le rang. Si t'es encore loyal envers cette compagnie, dis-le haut et fort. La direction t'entendra peut-être et elle te réintégrera dans son troupeau. Manuel Valls... Oh non! Non!
C'est marqué dans les. c'est marqué dans les règles du chat, non, je crois. Pas de gros mots. Pas de gros mots. Le TDM est corrompu et j'ai bien l'intention de le prouver. Tu oserais? Cela causerait des gros ennuis à cette agence. Je vais tout dévoiler sur vos combines. Pas des doutes. Tu es bien un ennemi du département de la mort. Bienvenue au club. Salvador Limones est un ami. Où est-ce que tu m'emmènes? Au quartier général de l'AAP. L'AAP? L'Alliance des âmes perdues. Notre groupe est réduit, Manuel. C'est pourquoi nous cherchons de nouvelles recrues. Quel est votre objectif? Nos services secrets doivent être renforcés. Tu connais Eva, bien sûr. Manny? Autrefois, moi aussi, je fauchais les âmes, Manuel. Mais j'ai démasqué un important réseau de corruption au sein du département de la mort. J'ai toute raison de penser que le bureau des acquisitions trompe les clients qu'il est pourtant censé servir. Je crois que quelqu'un prive ces pauvres âmes du destin qui leur est dû, Manuel. Ne leur laissant aucun choix, sinon d'entamer seul et sans protection un chemin semé d'embûches. Comme des bébés, Manuel, comme des bébés. Tu as des preuves? C'est là que tu entres en jeu, Manuel. Ou bien dois-je t'appeler Agent Calavera? Je préfère Manny. Je ne tiens pas à m'enrôler dans une organisation militaire sale. Je veux juste retrouver mon travail et gagner à l'ancienneté mon billet de sortie. Ouais, mais tu n'arriveras jamais à sortir de cette ville sans mon aide. Ce qui veut dire aussi que tu ne pourras retrouver ni cette femme ni ton travail. Quand tu seras prêt à épouser notre cause, Manuel, reviens donc me voir. Alors on pourra peut-être s'aider mutuellement. Il baille, le jeu est long. Non, je baille parce que je suis fatigué en fait. J'étais choqué d'entendre ce prénom maudit. Ça va pour cette fois. Bonne nuit les gens. Ah bah tu t'en vas, Bibi. Écoute, bonne nuit. Bonne nuit. Merci d'être passé comme d'habitude. Et puis à bientôt pour la suite. Pour la suite de Grim Fandango. Vu que tu as tout bien suivi ce soir, j'ai envie évidemment de connaître la suite. Comme ça, tu n'es pas vraiment une secrétaire. Je suis une espionne, Manny. C'est la dernière fois qu'on fait appel à Intérim 3000. Pas des messages pour moi. Oh, le con. Si, marche ou crève. Mais je suis déjà... Alors marche. Eva, tu dois me faire sortir de cette ville. Ils vont me germer. Tu dois rester, Manny. Si nous voulons savoir exactement ce qui se trame, il faut que nous ayons accès à l'ordinateur du DDM. Pour cela, nous avons besoin d'un agent comme toi. L'ordinateur te reconnaît quand tu te connectes. Et comment fait-il? Empreinte digitale? Je n'en ai pas. Tes dents, Manny. Tu n'as jamais remarqué que l'ordinateur scannait tes dents quand tu te connectais? Je croyais plutôt qu'il détectait les ondes. Il nous faut tes dents, Manny. Tu ne peux pas partir. Désolé. Copal ne s'inquiète pas de ton absence? Don s'est enfermé dans son bureau avec Domino et un gros bonnet du quartier. Un costaud coiffé d'un fez. Qui peut bien être ce gros lard? Et quel est son rôle dans cette sinistre affaire? Ok. Depuis quand es-tu espionne? Salvador m'a recruté il y a à peu près un an. Je n'ai pas pu résister. Il est si noble. Et sur quoi travailles-tu en ce moment? J'essaye de faire marcher cette radio pour l'utiliser sur le terrain. Et ça semble sans espoir. Salvador a raison. Nous avons besoin de pigeons voyageurs pour communiquer avec nos agents infiltrés. Vous avez des agents en mission? Non, il n'y a que Salvador et moi pour l'instant. Mais un jour, Manny... Tu ne veux donc pas m'aider à m'enfuir? Je veux bien, mais tes dents, elles, restent ici. Je te laisse méditer. Pourquoi ne m'aides-tu? J'ai besoin de tes... Ok... Un peu chelou, quand même. J'ai besoin de tes dents. Je ferais bien quelques ombres chinoises, mais l'ambiance ne s'y prête pas. J'y comprends rien. Moi non plus, Manuel. Mais ça viendra. Manuel. Cet ordinateur est déconnecté. On l'a récupéré alors que la compagnie s'en débarrassait.
mais on ne sait pas les faire marcher. Quand on y arrivera, tu nous aideras à entrer dans les systèmes. Pouh, je serais parti depuis longtemps. Nous verrons, Manuel. Cet ordinateur est déconnecté. C'est un projecteur de diapo. Manuel, arrête, c'est pas un jouet. Ok. Ça ne bouge pas. Seuls les membres de l'AP peuvent l'utiliser. Ok. Comment on va lui parler à lui? Ouvre cette porte, je n'ai pas que ça à faire. Cela veut-il dire que tu vas te joindre à nous? Sais-tu quelque chose que je ne sais pas? N'as-tu jamais demandé pourquoi tes clients, même tes meilleurs clients, n'ont jamais pu avoir les croisières qu'ils méritaient pourtant? Si, surtout pour ma dernière cliente, Meche. En fait, ils ont tous été sélectionnés. Elle, en particulier. Mais quelqu'un qui avait accès au dossier a volé la juste récompense à laquelle ils avaient droit. Leur billet pour le 9 Express. Précisamente, amigo. Mais alors qu'ont-ils fait des billets? Un billet pour le 9 Express vaut son pesant d'or, Manuel. Surtout pour celui qui a un dossier défavorable. Quelqu'un ici profite de ceux qui veulent s'acheter une place au paradis. Pourtant, ici, l'argent ne compte plus. Nous voulons seulement être libres. Tout vaut être libre, Manuel. Moi, ce sera pour plus tard. Mais certains ne connaissent que ces mondes-ci. Ils ont décidé de trouver leur plaisir et leur bonheur ici, dans le 8e monde. Et pour ça, ils ont besoin d'argent. Qu'attends-tu de moi, au juste? Je vais lever une armée secrète d'âmes perdues pour combattre l'injustice qui règne à El Alamual. Quand l'Alliance des âmes perdues se déploiera, la communication sera vitale. Nous aurons besoin des messagers de confiance. Tu as besoin de moi comme messager? Non, Manuel. Nous sommes peu nombreux et nos agents sont trop précieux pour courir un risque pareil. L'histoire nous a appris que nous ne pouvions nous fier qu'à une seule espèce de messager, le pigeon voyageur. Derrière, il y a les pigeons. Si j'attrape quelques pigeons sur le toit, tu me laisseras partir? Non, je dois les élever moi-même, agent Calavera. Je veux que tu me rapportes des œufs. Ah. Tu me gardes ici pour que je te fasse une omelette, c'est ça? Pourquoi es-tu encore ici, Calavera? Va me chercher ma petite escadrille. Tu connais maintenant les instructions, soldat. Viva la révolution! Ok. Alors, faut que j'attire les moineaux, les pigeons. Voilà, je vais mettre du pain sur mon balcon. Pour attirer les moineaux, les pigeons, quoi. Oh, je pourrais me blesser si j'essayais d'en décrocher une. Alors, elle est fermée. C'est une armoire à outils. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Glottis? Ah, là est la question. Glottis, il est où? Oh, Berk. On dirait une glace à l'italienne, mais d'après l'odeur, ce serait plutôt du mastic. Ouais. Ce doit être un distributeur de fil à dents, un truc comme ça. Ouais. Le pain des morts. Je peux le mettre dedans? Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment fait à cet usage. Bon, il y aura sûrement quelque chose à faire avec ça. Peut-être pas tout de suite. Là déjà, je veux aller chercher des... Je veux déjà mettre du pain sur mon balcon là. Pour les moineaux, les pigeons. On peut pas y aller à pied. Ceux qui ont essayé ne sont jamais revenus. Ils sont morts. C'est ça qui veut dire. Allez, vas-y. Hop.
Allez. Vas-y, Mani. On croit en toi. Le pain. Le pain, vas-y. Ça risque de faire des miettes. Oh là là. Ça risque de faire des miettes. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que les tisosio ils s'enfuient quand, quand j'arrive. Ouais. Est-ce que ça marche maintenant ? Non, ça marche toujours pas. Tisosio. Poser ça là. Un chat. Le capitaine Haddock, le chat, mais ça va leur faire peur. Et puis en plus, faut même pas que j'attire les trucs en fait, faut que je récupère des œufs. Je suis un peu naze moi. Ça ressemble à un nid là ce que j'ai fait. Non. Non. Ce pain spécial de cérémonie n'est pas vraiment non. Fait à cet usage. Pas ça. Bon, je vais descendre. Je vais regarder s'il y a un truc, si je peux re-rentrer dans la... Je dois m'en aller. À toi aussi ? Si je trouve pas, j'arrêterai là pour aujourd'hui, je pense. Si je trouve pas rapidement... J'arrêterai là. Je ne veux pas entrer. J'espère qu'il me croit toujours enfermé. Ouais, voilà. Je peux plus rentrer. Par contre, je peux passer par là. Et par là. Et par là. Je n'ai rien à faire. Il faut qu'il me croie enfermé dans le magasin. Ok. Ok, bon du coup, sauvegardage. Hop. Et arrêtage.